partie sont en 13 points ici, c'est le cadre qui est... Qui est privilégié, donc on joue le cadre, hein, sur toutes les parties. Alors ici voilà, en Espagne on joue beaucoup le cadre, ouais. C'est ça. Alors ils ont aussi l'habitude de jouer le système suisse, donc on joue le cadre. Mais là ce sont le cadre et les 13 points. C'est ça. Ouais. Donc on a un peu fait un mix. Alors c'est pas pour nous déplaire, hein, puisque nous ça nous permettra de... Voilà, il n'y aura pas de soucis si une boule par exemple vient du terrain d'à côté, ou si le but part sur le terrain d'à côté, on n'aura pas de coupure de partie. C'est là bien tiré, Fred. Attends, il suffit que tu me dises que je vais les mettre ensemble, que allez. Je les mette ensemble. Voilà, c'est... Allez, Fredo. C'est bien amoyé de la part de Claudie Vébel, mais on le voit. Regarde, je joue en face du bouchon. Les deux boules, elles sont en face. C'est vrai que si Fred venait à casser les deux... Oh là là, oh, bien tiré. Il a pris sur l'oreille. Tu aurais dû manquer la boule, c'était mieux. Eh oui, c'est ce que j'ai dû faire. Oh, si tu avais manqué... Ouais, peut-être. Ah oui, parce que là, il a peut-être laissé deux points. Il a mis la boule en contre. C'est repris pour Farah, il a essayé de venir sur le but. Allez, regarde derrière Valentin, tu pètes les deux, c'est bien. Allez. Elle est encore très très bien montée. Bien la classe, mon petit. Hein. Bravo. Voilà, il a le bonheur de sortir cette boule toute seule. Là, du coup, ils ont encore deux points au sol, deux boules en main. Il va falloir que Farah Ndiaye sorte le joker là. Allez, mon petit. Voilà. Allez, t'en as deux pour te régler. Imagine, si tu la prends la boule, en tirant deux fois, moi j'en perds un. Imagine. C'est casquette contre que t'enlèves deux. C'est énorme. Voilà, vous l'avez entendu, l'analyse de Farah, effectivement. Oh, non, non. Il a été malheureux sur son tir, Frédéric Bonvert, il a laissé deux points et il a obligé Farah Ndiaye à venir pointer. Là, ils peuvent être sur une main de 3. Oui, voilà, il a fait carreau. C'était le bonus. Bien, on vous le remontre là tout de suite. C'est le glisser. Johan Cousin. Ouais, Johan Cousin qui est un joueur qu'on connaît pas forcément, mais même si il a un beau palmarès, hein, vainqueur notamment des Jeux méditerranéens. Il y a quelques, c'était l'année dernière avec Lucas Desport. C'était plusieurs fois en demi du championnat de France. Voilà, c'est un très très bon joueur. Je vais jeter le bouchon si ça te dérange pas. Là c'est pas comme tout à l'heure. Merci. C'est que t'as fait, tu casses, tu enlèves les trous, ça nous attire. Mais c'est que je te dis, là tu tires devant. Ouais, t'as pas réussi, c'est sûr, mais tu tires devant la boule, t'es altéré la boule. Tu te jures. Tu cours trop dessus sur la boule. T'as fait casquette, tu la remets dedans, deux, tu tires à deux. C'est ça, mais c'est pas grave. C'est de matière. Là. Pas grave. Voilà, ça commence à se remplir, hein. Les gradins commencent à se garnir. Bon, on laisse tirer sur la partie d'à côté, vous pouvez le voir à l'écran, hein. Il y a Stéphane Robineau, Dylan Rocher et Philippe Pietri. L'étonnant du titre. L'étonnant du titre ici à Santa Susana. Allez. Pas grave, Frédo, allez, mets-toi dedans là. C'est bien tiré. Allez, Fred. C'est là bien tiré. Chou.
Ah, Fred Bauer qui est dans la tête, il doit avoir son tir de tout à l'heure, je pense encore un peu. Il va falloir vite évacuer tout ça pour revenir dans cette partie. Voilà, c'est mieux. Repris tout de suite. Superbe carreau recul. Comme vous voulez. Les deux sont bons, je peux pointer la mienne faire jouer. Oui, voilà. Les deux sont bons. C'est la reprise, tu peux faire encore une. Exactement. Je fais carreau, bah, tu tireras sur le carreau. Ouais. J'ai déjà le gagné. Non, non. Je peux pointer la mienne, on verra. Voilà, c'est vrai effectivement que les. Avec un peu les deux écoles, mais. Les deux écoles, ben c'est sûr qu'en pointant le gagnant, on refait jouer. Si tant qu'il n'y a pas de carreau, on va garder la boule d'avance. Ouais, il est venu en plus. Ouais, il a touché un petit bon. Il l'avait gagné quand même. Oui, il avait gagné quand même, mais je pense que maintenant il a fait. Oui, il a cassé un peu le point de devant. Il a fait beaucoup plus de place. Le point de devant qui est. Et moi, si tu veux te lancer à tirer, tu pourrais. Hein, mais... Qui était peut-être, je vais dire, pas si mauvais que ça. Là. Maintenant, il devient vraiment gagnable. Il peut y avoir des petits cas sur ce genre de terrain où il n'y a pas trop de surprises sur ce jeu-là. Non, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de boss. Tiens, on va saluer notre président, Pascal Marie, qui pour la première fois n'est pas sur l'étape cette année. Ah oui, c'est bien la première fois qu'il n'est pas là. Eh oui, oui, il nous laisse les clés du camion. Il nous a laissé les camions, il nous laisse nous débrouiller tout seul. Dézoom est en forme, oui, Pascal, il demande si Dézoom est en forme. Oui, il est là, normalement, il va réussir à allumer son micro. Allez. Eh non, ça y est, il n'y a déjà plus de piles. Je suis là, je suis en forme, si. Ah, super frappe de Valentin Belama encore avec son. Regardez avec son geste assez spécial, son balancier. Il est caractéristique, il a un gros balancier, ouais, il va chercher très très loin derrière. Voilà. C'est un contorsionniste. Hein, un ouais, je connais depuis très très longtemps comme Yohan, je les ai vus évoluer. Ils étaient tout jeunes, ils avaient à peu près 13-14 ans. Et je peux vous dire que c'est vraiment de très très bons joueurs et qu'est-ce qu'ils sont agréables aussi à jouer. Oui, tout à fait. C'est une naine que tu peux. Oui, non, mais même pour les boules, hein, ça. Exactement. Voilà, Claudie, il avait prédit. Si tu moi, j'ai tiré au bouchon. Tu peux faire carreau. Ah, oui, oui, deux boules pour le sortir. Et là, si tu pointes, si on compte ou je sais pas, tu veux pointer? Le problème, c'est que s'il pointe, il n'aura plus qu'une seule boule pour le sortir, Farah, en fonction de ce que va faire Jérôme. Là, c'est. Ouais, il aura. Laisse-moi tirer. Ah, tirer pas... Non, mais c'est le jeu. Ouais, non, mais c'est pas le jeu, frère. Tu tires, tu casses, tu perds pas beaucoup de points. C'est pas le jeu. Fais faire des joueurs, en fait. Ah, c'est pas mal pointé. Hein. Ah, super bien joué. Il fait déjà jouer. Hein. Oui, c'est sûr. Minimum. Il refait jouer. Pas mais... là, tu n'es pas pointé, bon. Je te le dis. Hein, allez, Valentin, encore. Juste sauter. Elle va aller, il fait. Allez, mon petit. Allez, c'est manqué pour Valentin Belama. On va bien sûr y retourner. Hein. Ah ben oui, tout de suite, on défend deux points. Ouais, deux points qui se regagneront peut-être pas à chaque fois. Peut-être hein. Pas à chaque coup, oui, parce que vraiment, c'est très proche. Hein. Ah, superbe. La classe, là, les deux. Bravo. Hein. Vous l'a dit, normalement, vu leur style de frappe, vu les terrains, ouais, les terrains ils sont propices du spectacle. À, ouais. Oui, à ce genre de frappe. Hein, je veux dire, c'est des gens qui enroulent beaucoup. Ils ont un tir qui est vraiment très souple, donc il suffit d'être bien droit pour faire carreau. Je pense que c'est ce que va tenter de faire Farah. Ah, il a fait un peu de place, mais il en a enlevé qu'une. Hein, il doit en rester deux. Il aurait bien enlevé. Je suis pas droit. Je suis pas bien droit. Ah, ça peut encore faire une grosse mène. Hein. Les effectivement, rouges. Il y a déjà deux points au sol et on se retrouve boule à boule. Si Farah ne vient pas se mettre soit dans le but, soit en contre sur une des boules, je pense que ça va être encore assez cher. Ouais.
Ah, ah c'est ben, bien voilà. Joué. Très voilà, bien joué. Ben, ouais, mais c'était une ou l'autre, il a réussi à le faire je sur celle-ci. J'étais lent. Moi, je colle sur celle-là. Et bien sûr, on ne pourra pas tirer, donc... Voilà, il va essayer de rajouter un point. Surtout pas être trop fort, parce que si le but venait sur la boule de derrière, ça serait un point pour l'équipe de Farandiaï. Donc voilà, il va essayer de la jouer juste et d'essayer de rajouter un second point. Ah, super mal. Et voilà. Cousin qui c'est... est... Ah, Yohan Cousin, bah là, il est... parti exceptionnel. Exceptionnel, là, ouais, il a fait carreau, ouais. Là, à chaque fois. Bien, mon petit. Bien. Il rajoute, vraiment, c'est... Enfin, donc, ce sera 3 points supplémentaires. Je vais tirer, Fred. Et le milieu, je vais tirer. Il doit faire que 2, non? Parce que Farah s'était mis devant, ouais. Effectivement, heureusement que tu es là pour... Des fois, je sers un peu. Oh, ouais, j'avais gracieusement offert un point supplémentaire. Donc, effectivement. Six. Allez, pour l'instant, par contre, un très très bon début de partie hein, pour les rouges, vraiment. Pour les rouges, vraiment. Ouais. Bah, pour très complémentaire. C'est très complémentaire, mais pour l'instant, j'ai pas vu une seule boule de gaspiller. Peut-être celle de Valentin, là, qui a justement qui est maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, une seule boule. Donc, et en face, on a Frédéric Bauer qui est pas chanceux. Ouais, oui, il est pas chanceux sur les premiers tirs, ouais, manqué un coup, il a refait carreau. Ouais. Voilà, c'est la différence pour Alessandro ça fait là. Parce qu'à la pointe, c'est quand même entre Jérôme et Claudie, ça s'équilibre. Est-ce qu'on fait pas le jeu en fait? Hein, Fred? Allez. On fait pas le jeu. Faut tirer, on verra bien. Oh. Ah, Farah, prends les commandes. Ça y est, voilà. Pareil, il va prendre la direction. Il a dit le jeu c'est d'attaquer effectivement sur ce terrain. Je pense qu'il a raison. Maintenant il faut réussir. Voilà, ben voilà en plus. Hein. Et il le prouve. Faut tirer, on fait copointer, ça et sort voilà. Pas, il faut tirer au bout. Voilà, pour l'intérieur, faut tirer au bout. Je peux pointer la mienne hein. Sinon, après, on se retrouve sur le feu de l'adversaire et si l'adversaire est bien. Mais les deux sont bons, si je peux mettre dans le bouchon ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais de mal à pointer la mienne? C'est moi pointer la mienne. Ouais, mais puis même si je viens un pair tout juste, on peut tirer après de toute façon. On fait le jeu, ça fait, on fait le jeu de boules, c'est tout. Sinon on commence à jouer comme des tapotes là, c'est fable. C'est vrai, oh. Ça va être parti. Voilà, on a décidé d'attaquer. Hein. Pour l'équipe de Farah, on va essayer d'attaquer. Et d'aller, il va falloir peut-être aller jusqu'au bout. Bah, j'aurais espéré toi, car je joue face au bouchon. Si je le pince un peu de 15-20, le point de phare est le plus beau. Les amis, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais Claudie Bébel, c'est un terrain qui lui réussit ici, parce que l'année passée, il avait fait finaliste. Oui, ici, alors, ça lui a pas bien réussi en finale, par contre. Pas bien réussi sur la finale, c'est sûr, mais c'est l'une des plus courtes de l'histoire des finales PPF l'année dernière, malheureusement. Il était associé à Ressources Escacho, le local. Oui, et Dédé Lozano qui nous écoute. Ils en ont qu'un, mon poteau, on est 4 boules à 4. Ça me bat les couilles. Oh. Ça a pointé. Après, ce n'est pas une option de tirer, hein. Ouais, loin de là. Mais il a peur de jouer. Honnêtement. Hein. Exceptionnel, ah, bon, il y a encore un. Il est vraiment. Allez, comme dessus là. Très très gros début de partie. Hein, ouais. Yohan. Attention, hein, le bouchon peut partir. Vous voyez, bien collé ce bouchon. Yeah. Ouais, il n'a pas trop bougé. Ah, c'est une main qui peut aller les remettre un peu dans le broche main et les maillots blancs. Bah, maintenant, on n'a plus le choix. Et ça, il n'y a pas de discussion. À quoi, un carreau? Bah si, quand même, je sais combien. Ah, oh, il était un peu... Il a bien tiré, du bon côté. Ouais, de rien d'aider pour les bons souvenirs. Oui. Ouais. Allez, mon pote. Bravo, bien.
Allez, mets-y droit, Fred. Allez, essaye encore, là. Ah, ça, c'est pas droit. Vraiment il pas droit. Un bon écart, ouais, vous voyez bien la marque, là, Impact. Si on aurait pris... Allez fort, moi, Fred, fais pas l'effort. Concentre-toi, tout seul, là. On va faire une grosse. T'as vu comment ça verra du coup, moi, ouais. Hein ouais. 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 Là, là, tu t'es mélangé deux fois dans le bouchon, toi. T'as mieux pointé que moi, t'es arrivé deux fois dans le bouchon. Voilà, on décide. C'est à eux, là. C'est à eux, là. Tire la boule, Jérôme, tire. Allez. Tu pas, tu iras, mets du doigt. Allez, allez, Jérôme. Voilà, il suffit d'être un peu bien droit. C'est un terrain qui se donne quand même un peu. Voilà, il c'est tape, fait. Il va taper. Tu fais le fort, il va taper les boules. C'est tapé. Bien, bien. C'est pas allé pour Jérôme Bernard. Allez, Valou. Allez, Valentin. Hein? Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est les bonnes boules qui fait mal. Très mal, il fait très mal. C'est facile en plus, t'as caché. Bravo! Ah, c'est une magnifique reprise là encore de Valentin Belamont. Comme là, il faut pointer. Faire pointer là, pour le coup. On est un peu derrière. Ah, effectivement, il y a un peu de place, donc il reste qu'une boule à adversaire si Jérôme pouvait faire la reprise. Si il tire, il y a 50 pour nous. Je suis pas sûr, là, je suis pas sûr qu'il va tirer. Il y a fois à le gagner, pas pareil. Allez, le devant, là, c'est bien joué. Non, la réflexion est toute faite. C'est le gagne. Allez, hey, Jérôme. La réflexion est toute faite. Ah bah oui. Ah bah non, parce que là, dès qu'il le gagne, il va être... Ben non, non, non. Ah, il est passé, il a traversé le jeu là. Allez, allez c'est là, le encore l'occasion pour Valentin de pouvoir ajouter. Ils n'y arrivent pas, hein, les. Non, non, non. Ils blancs, étaient là. Bien partis, et puis ouais. Voilà, ce frappe manqué de Fred Bauer. Et... Ça, ça leur a compliqué la tâche. Et... Ouais, là, par contre, on joue 100% des boules, hein, pratiquement. Ah, ouais. Ah non, mais chez les rouges, vraiment, c'est. Ouais, ouais, plus 2 encore. Quel début de partie pour l'instant, non, sens unique, hein, cette partie de sortie de poule. Unique, hein, pour les rouges. Voilà, on a des rouges qui ont joué toutes leurs boules. Je crois qu'il y a, il y a une seule boule de Valentin Belama qui n'a pas réussi à faire le job, mais tout le reste, ben voilà, c'est joué. On a pensé à des boules jouées, en plus, un gros volume de jeu. Oui, tout à fait. Tu veux retirer devant gros volume, rien à dire pour l'instant. Au milieu, je pense que. Peut-être ça peut te mettre dedans. Tu veux tirer dedans. Peut-être tu peux retirer, tu veux faire deux filles. Je sais pas. Ouais, voilà. C'est, il faut voir comment il faut essayer de marquer, c'est tout. Ouais, Claudie. Avec un métronome au départ. C'est ça. Claudie qui ouvre toutes les mêmes. Je veux dire, après c'est des terrains qui s'y prêtent pour lui aussi. Après, fais l'effort là, allez. Elle est bien équilibrée, je sais pas ce que tu en penses cette équipe. Cette équipe est vraiment très très bien équilibrée. Ouais, ouais, vraiment. Chacun a son poste. On a vraiment des joueurs qui jouent à leur poste. Alors en plus ils sont capables. Ouais, ils sont capables de tout faire tous les trois. De tout faire tous les trois. Pas grave, maintenant tire boule bouchon, hein. Faut pas éviter le bouchon. Allez, tombe dessus, allez. Voilà, et il profite en plus que Fred Bauer est un peu en dessous là, en ce début d'après-midi. C'est mieux. J'aurais dû te dire. Allez, Valentin, fais-moi un peu de place. Bien, bien. Oui, oui, il est 1 sur 2. Allez, Balou. Fred, il a un tir, il a toujours tiré dans la boule, ouais. Alors que c'est un terrain qui se prête plutôt à tirer un peu de vent, comme dirait Farah. Ouais, c'est là. Thank you.
c'est un petit peu donné ce que tu disais. Hein. C'est ça, voilà. C'est un petit peu servi du terrain. Il faut se servir hein, quand il y a le terrain comme ça, bah, il faut jouer avec. Voilà, on voit, il a tapé 30 devant, elle s'est bien donnée. C'est les jeux qui veulent ça. C'est sûr que dans les jeux de ce matin, ah oui. On n'aurait pas trop attrapé là-bas. Voilà, vous l'avez entendu, effectivement. Voilà, il faut pouvoir avoir l'intelligence de jouer avec le terrain. Voilà. Et ben voilà c'est ce que fait Farah également. C'est bon, tirez devant. T'as rendu la même. Bah moi je vais pointer la mienne les gars. Il y a que 25 cm mais même si je viens le perdre tout juste, tu peux tirer après, de toute façon on est en retard de boule. Oui, après je pense qu'il y a toujours la possibilité de faire des demandes de boules sur ces jeux et de retourner les mains. Oh là là, je sais pas si vous avez peut-être vu l'arrivée de la boule. Dylan Rocher qui a fait un carreau au milieu des deux boules. Allez, il y a un petit peu de place encore devant pour Claudie, ouais, pour regagner ce point. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a toujours de la place pour essayer de faire devant le boule. Il est peut-être arrivé un peu fort. Et oui. Le petit bonus. Il s'excuse. C'est vrai qu'il était un peu fort, mais ça suffit pour regagner le point. À la main, je suis pas si fort, mais en attendant, j'étais fort. Si je la touche pas, je suis dehors. Allez, Jérôme. Voilà, il faut pas se gêner là pour Fred, il y a les boules qui peuvent l'arrêter derrière, donc je pense qu'il faut jouer face au bouchon. Non, surtout pas court, petit. Voilà, c'est l'erreur. Voilà, c'est l'erreur. Pour Jérôme là, il y avait la place de pouvoir arriver jusque dans les boules. Ah, ça manque un peu. Non. Si moi je joue pour marquer là, on est 0-8, s'il le gagne à face, il tire, il y a deux boules à une, s'il fait compte, imagine, il manque une boule, tu es sûr de marquer. Hein Jérôme, fais l'effort là, essaie de le gagner. Et oui, là il faut vraiment qu'il joue avec la longueur, il y a sa boule devant, il y a les boules derrière pour l'arrêter, il faut surtout pas de court. Ouais, c'est mieux. Voilà, c'est repris. Allez mon petit. Allez continue. Ouais, il a pas. C'est sûr que pour Farah, il a pas repris du bon côté, il aurait préféré qu'elle soit en contre. Pour avoir plus de possibilités de pouvoir marquer. Pas pareil. Là va. Petit bonus, en plus, il a enlevé la boule de Farah derrière. Ah, tout va bien pour l'instant. Tout va bien pour les rouges. Les maillots rouges. Alors j'ai une question, pourquoi Philippe Pietri il a... Alors c'est pas un sac à dos hein, qu'il a... Oui, voilà. C'est pas un sac à dos, Philippe a eu un petit accident. Donc voilà, il a une fracture de la clavicule. Ouais. Voilà. Gauche, ce qui l'empêche pas de jouer, donc heureusement. Et, il a un petit soutien, ouais. Il a un petit soutien, donc justement pour lui tenir sa clavicule. Voilà, c'est pas un sac à dos, c'est juste un maintien au niveau des épaules. Tu vas me dire que tu joues en bas, ouais. C'est pas évident. Après, si tu gagnes en face de la boule, il pourra pas y tirer. On va faire quoi? Est-ce qu'il y a un tirant 2003, Jérôme, il va le gagner. Son sac à dos. Hein? Il va le gagner, Fred. Regarde, on a un mètre là, un mètre là-bas. Non? Allez. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est de gagner des points. Allez, c'est une idée. Allez, Farah, donne-toi raison. Je suis vénère avec ma boule, quand même. J'avais bien perdu. Alors, est-ce que Farah va peut-être essayer de céder de cette boule devant? Le jeu, ta boule aussi. Voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais. C'est ça. Ouais. Bon, ben Farah, il a juste à jouer face à la boule. S'il passe à côté, il peut faire un devant de boule sur l'autre. Donc, je pense qu'il a tout intérêt à venir. Donc, voilà, essayer de jouer la boule plutôt du côté droit de la boule.
Oh là là, il a tout manqué, oh, malheureusement. Tout manqué. Ah là là, il a traversé. Allez, profite. Il y avait juste la place d'une c'est boule ça. Pour traverser, il a rien touché et malheureux. Eh ben encore une boule pour faire plus d'eau, hein, peut-être pour Johan Cousin. Oui, je pense qu'il y a, il y a de la place, effectivement, si on fait attention, il y a différent. Ouais, il faut juste passer la boule devant. Il y a 50 cm devant, 50 derrière, ça fait un mètre. Voilà, on a un petit rayon d'un mètre pour essayer de rentrer. Eh ben voilà. Ça va suffire. Il a mis hein, sur le côté, il n'a pas pris de risque, ouais. Johan, encore une fois. Eh ben, nouvelle mène de 2 points encore hein, pour les rouges qui portent le score à 10-0. Ça devient vraiment critique oui. Maintenant hein, pour l'équipe de Farandiaï et Frédéric Bauer. Oui, il va falloir trouver une solution. Parce que là, c'est un cavalier seul pour l'instant, l'équipe de Claudie Webel. Rien pour nous. Hein. Rien. Voilà, on s'attendait à, ouais, à beaucoup plus d'adversité. C'est ça, hein. Ouais, c'est vrai. Ah. Allez, Valentin. Carton jaune. Ouais, parce qu'il est sorti avec la boule. Ah oui, d'accord. Il est sorti du rang avec la boule, apparemment. Valentin, il est parti dans son élan. Il a été emporté. Aïe, aïe. Ouais, il est un petit peu en difficulté depuis deux, trois mènes. Ouais. C'est comme ça que tu me punis, toi. Tu manques double. Alors ici, il faut savoir que les arbitres nationaux, par contre, ah oui. sont très y a pas strict. De pédagogie. Il n'y a vraiment pas de pédagogie, c'est on applique carton direct. Hein. Le règlement, ouais. C'est carton direct. On l'avait direct, déjà remarqué l'année dernière. J'allais mais... dire, demande-lui, mais bon. Ça continue. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ouais, ça continue. Donc, il n'y a pas d'avertissement sans frais au départ, c'est tout de suite le carton. C'est tout de suite le carton. Je peux aller dans la boule, je peux coller dans le bouchon. Si tu tapes la boule, j'ai enlevé le truc. Et après, ma foi, si je réussis ni l'un ni l'autre, tu verras bien. Hein? Je suis d'accord, mon petit, mais si je viens pointer, si j'ai le bonheur de venir dans le bouchon, un truc comme ça, on ne sait pas. Alors, on a deux boules de retard, trois boules de retard, on a. Et si je viens à le perdre, ben, tu tireras, tu taperas deux points en casser deux. Allez, première main où ils sont vraiment un petit peu, là, ils sont vraiment un petit peu moins bien. Vraiment moins bien en difficulté. Ah, je suis pas au jeu. Mais je la retrouve pas quand même parce qu'elle est pas mal là. Oui. Moi, c'est ce que je fais. Oui, c'est vraiment la première fois qu'il se retrouve avec un tel différentiel de boule. Je vais te le proposer, Yo. Allez. Elle tombe dessus. Ah, j'ai hésité aussi. C'est bien fait pour ma gueule. Il va te rebouffer. Bien fait pour ma gueule. Allez, mon petit. Ouais, comme quoi, même avec 10 points d'avance, on essaie de refaire la main. Hein. On veut vraiment pas les laisser revenir au score. Hein. Il n'y a pas énormément de chemin. Oui, ni au fond, ni sur le côté, oui. Ah ouais, il y a tout qui réussit. Il y a tout qui réussit. Tout qui veut bien. Superbe. Regardez, on vous le repropose. Il l'a pris exactement comme il faut, sur le côté, plein bois pour le sortir, ce bouchon. Yann Cousin, vraiment, lui, c'est. Dans cette partie, c'est vraiment. C'est énorme. Il y a un volume de jeu impressionnant. Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, Yohan Cousin, c'est lui qui a sorti Dylan Rocher cette année au championnat de France triplette. Hein. Ouais, c'est un joueur. Ouais, c'est encore bien envoyé pour que Lydie Bebel. Allez, mon frère, encore là. Allez, Fredo, essaye de taper là. Allez. Voilà, on part au but. On va essayer de refaire cette main. Bah, il met des cartes. Bah, il fait le règlement. Il a les embouchés trois trous. Il n'y a pas d'avertissement.
C'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, on est en train de discuter avec Claudie, Johan et Valentin qui nous disent effectivement il n'y a pas d'avertissement, c'est l'Espagne. Voilà. Ça devrait être tout pareil. En fait, il y a un règlement, il faut le savoir. Bon, après, on... Ah, c'est sorti, bravo. Effectivement, après, on pourrait faire preuve un peu de pédagogie. Voilà, on peut applaudir Farah, là, effectivement. Farah qui vient de sauver son équipe. Alors, ça va abandonner quelques minutes Jean-Mi pour régler quelques petits soucis de connexion. A priori, ça se stabilise un petit peu. Voilà, on s'excuse si ça coupe un petit peu. Il y a eu, on le rappelle ce matin, un peu de pluie, un peu d'orage. Donc, on a rentré un petit peu tout à l'abri. On va tout ressortir pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Attends, je l'ai monté. Ah non, c'est là que je l'ai monté. Hein. Allez, on en reste donc à 10-0. Voilà, que j'ai joué, que je l'ai mis dans le bouchon. Oh, on est déjà à la 7ème main. Que je me voyais à 2 mètres long. Là, bizarrement. Je pense qu'en fait, derrière. Non, mais celle-là, je ne joue pas, ma parole. Oui, la différence, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure. En un quart d'heure, là, les terrains ont séché. Les boules se donnent beaucoup moins. Ça commence à rouler un peu plus. Donc on se fait surprendre. Ouais. N'oublie pas que tu dis que le temps qu'on va en rond, qu'on vient, c'est seulement là que peut-être on a capté ce que tu dis. Là, on est mal barré. Je le dis. Oh. Alors victoire de Dylan Rocher pour ceux qui demandaient sur le terrain d'à côté. Voilà. Il se qualifie pour la suite du parcours. Allez mon petit Valou. Voilà, c'est rectifié. Allez, remets pour la machine en route. Allez mon petit. Allez Valentin. Claudie Bebel qui n'arrête pas d'encourager ses partenaires, ça, c'est la sagesse. Ça, c'est... Ah voilà, c'est mieux. Bien. Avec le tir qu'il a, Valentin, s'il est vraiment dans la boule, normalement, il va rester toujours à côté. Hein. Ah, regardez, petit palais, il est resté à 10 cm. Et le problème, c'est qu'on va peut-être se poser la question à chaque fois du bouchon pour l'équipe blanche. Hein. C'est ce qui se passe. Ouais, voilà, on va pas trop le choix. On va aller envoyer Fred Bauer sur le but. Allez. Voilà, c'est fait dès son premier essai. Et c'est encore une main annulée. Ouais, je pense qu'on va on va voir ce scénario qui va se répéter. Et ouais, dès qu'ils vont être un petit peu en retard de boule, ouais. Forcément, on va y sûr. Penser. De toute façon, c'est ça. Tu manques une boule de plus, on va au but. Puisqu'on a y boire un verre. Vous l'avez entendu, hein. Voilà. Alors, allez-y. Jusqu'à ce soir. Eh oui, faut aller au rouge. Eh oui, hein. Là, bon, on va pas y mettre. Ah, super, ouais, encore Claudie. Essaye de bien tirer. Dire qu'il leur laisse. Ah, mon Fredo, là, il leur laisse vraiment côté, pas de temps pour ce. Non, tout de suite, il met la pression et voilà, il met la table pour ses partenaires, il met la pression sur l'équipe adverse. Ouais, depuis le début, il n'y a pas trop le choix. Bravo, bien. Voilà. Ouais, c'est petit carreau. Ça fait du bien, ça. Ah oui, ça fait du bien, ouais. Je pense, pour Fred Bauer, hein, pour sa confiance. Et ça, essaye de bien tirer, celle-là. Ça ne sert à rien de me dire les choses une fois qu'elles sont faites. Essaye juste la taper, cherche pas. Je l'adore, mais je vais pas aller. Pourquoi on mène 10 euros, je vais pas aller mettre le bouchon à 6 mètres, quand même. Ah, mais parce que t'as pas doublé, ça fait 2 heures que je t'attends un truc double. Toute l'expérience de Claudie dans cette équipe également. Tout à fait. Ouais. Ah, moi, ça les deux fous. Effectivement, il faut. Oui. Un peu le capitaine, on le voit, hein, c'est vraiment le capitaine de l'équipe. C'est là, le capitaine du bateau, hein, c'est lui qui mène la barque et il l'amène de très fort belle manière. Ouais, il a toute son expérience, il a tout son vécu. Et il le regagne. Tout de suite. Allez, essayez encore là. Allez, Fred. Fais l'effort là. Allez, pas aller. Allez, ça serait bien qu'il se double, Fred Bauer. Voilà, deux palais en plus. Ça fait vraiment un plus. Bravo, Fred. Bien.
Voilà, il vient de se doubler. C'est Farah lui a demandé gentiment tout à l'heure. Bon, il s'est exécuté. Il lui a dit ça serait bien que tu te doubles un peu. Effectivement. Allez, Johan. Non, mais je pense que chez les rouges, ben, ça va continuer à pointer maintenant. Il n'a jamais perdu de points. Tous les points, ils vont gagner. C'est vrai que si tu perds une point, on a le temps de tirer, mais il a peut-être raison, je les envoie plus loin là-bas. J'ai l'impression que ça monte, mais ça monte. Qui est, lui, il tape une boule, il tape au bouchon. C'est des erreurs demain. Oh, superbe encore. Il y a un cousin vraiment. Un être d'homme. Hein. Bien joué, Johan. Hein. Bravo. Ouais, le bouchon, il gagne là. Toi. Ouais, bah voilà, il a tout cassé, Farah. Et bien, nouvelle main annulée. C'est la troisième de suite. Le bouchon est que... tout. Oh là 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 là. Je suis violent. Oh bon bon. Bon là, ben c'est reparti, on repart dans l'autre sens. Ah, mais bon, on va, ouais, on va passer une après-midi tranquille. Eh oui, Et tu rebutes, on... c'est vrai qu'on a... Ah, ça peut durer un moment, hein. Je crois que c'est la quatrième fois qu'on est annulé. Si je compte bien, voilà, ben on va essayer de battre les records. Tu saurais, toi, Vincent, me dire quel est le record de sortie de bouchon? Alors, on en a eu 6 ou 7, hein, je crois, il n'y a pas longtemps sur une étape. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a encore un petit peu de marge. Ouais. Hein, et le record sur une partie, je ne sais pas si... Je sais pas, non. Je ne saurais pas te dire, mais... On va commencer à faire des statistiques. On vous les proposera très bientôt. Oh là là, il est vraiment pas droit, fan. J'ai remarqué que j'ai raccourci. J'arrive pas. Ouais, non, mais après, je suis pas. Tire dedans, là. 49. Allez, deuxième tentative pour Fred Bauer. Voilà, c'est mieux, il s'est bien repris. Oui, pour les sorties de bouchons, on avait eu sur l'étape de Carcassonne, Maison Durc, qui l'avait sorti 6 ou 7 fois d'affilée. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça avait, la partie avait été très très longue pour lui parce que ses partenaires ne l'avaient pas suivi. Ah ouais. Alors il doit y avoir plus, hein, c'est certain. Voilà, si on a des spécialistes qui nous suivent, là, n'hésitez pas en commentaire à nous envoyer. Il y a fait un bouchonnet, là. Oh, il y a plein de monde qui nous regarde. Tiens, on va faire un petit coucou à Serge Anissé, la talaudière qui nous regarde. Il est ça toujours là, Serge, de toute façon, sur toutes les web TV. Il est toujours avec nous, Serge. Voilà. Salut, Serge. Serge est là, un petit coucou. Tiens, Jean-Pierre Mince aussi qui nous regarde. Vous êtes déjà... très très nombreux. Tiens, je vois, il y a Franck. Ah oui, Franck Le Maire, tiens. Tiens, on le salue, et lui aussi, c'est une bible de la pétanque. Et merci pour l'information. Effectivement, il nous dit qu'à Grenoble, Bruno, je pense que c'est Bruno le Boursico, oui, qui l'a sorti 14 fois. Mais on ne sait pas si c'est encore. Et là, Farah vient de nous faire un truc vraiment à pas de chance, quand même. Ouais, il a juste fait chiquer, puis il est allé contrer sur la boule de droite. Et le bouchon, le bouchon, il est dans l'ombre. Vous ne voyez pas très bien sur ce plan. Il est dans la petite pancarte, dans le petit carré, là, dans l'ombre. Combien de boules, les gars? 4. Oh là là. Oui, attention. Est-ce qu'on va pas y retourner? Parce que là, 3 boules à 4. Hein, mais là, il va falloir prendre vite une décision. Hein. Trois points. Trois bouchons, en fait. Et voilà. On sait pas du quoi. Ah, distance 4, à 10m50. Allez, Jérôme. Ah, tiens, on a... un internaute qui nous dit que 17 fois pour Sébastien Rousseau à Poitiers, pourquoi pas. On va essayer de confirmer ça avec Sébastien si on le croise. Ah, il a failli le faire là, Jérôme Bernard. Et oui, il est juste un peu fort. Juste un peu fort. Tu casses le bois. Tu tires, tu casses le... Il est beau maintenant. Oh les gars, ils ont 4 boules, hein. Non, tu vas la boule là quand même. Tu t'enroules, tu vas aller, alors debout.
Et on les sent désunis même dans leurs décisions. Hein, cette équipe, et ils sont souvent pas boules, d'accord. Hein? C'est quoi? Zafara voulait partir au but. Ah, ils sont pas. C'est coéquipier préfère qu'il aille tirer la boule. Effectivement, il y a 4 boules dans les mains adverses. Voilà, s'il avait la chance de faire. Ah, il pas, pas droit. Pas droit, malheureusement. Il est entre les deux. Voilà, ça va, aïe, ça aïe, va aïe, se aïe, compliquer. C'est des jeux de tir, mais rien. Ça va se compliquer. Ça va pas, ça va pas. Regarde pour ça. Ouais. Quand ça va pas, ça va pas. Quand on joue bien, c'est un rôle. Hein. Je vais lui tirer le bouchon. Ouais, je pense qu'il va falloir que Jérôme vienne. Je vais lui tirer le bouchon. Pareil, Fred. Il vient de faire un devant de boule pour essayer d'économiser. Oui, là, ça peut, ça ah peut bah, être la fin. Hein. Ça peut être la fin, parce que... Ah non, voilà, il est sur le côté. Voilà. Bon, 4 boules pour en rajouter 2. Après, il jette. Pourquoi faire ? Je tire encore, je retourne, il a une boule encore pour tirer, Jérôme. Il a raison. Ah, il peut... Jérôme, il a raison. Il a encore une boule pour tirer. Attends, c'est pas le jeu de pointer. C'est pas le jeu, en tout cas, je t'écoute. Tu peux tirer la tienne, en tirer une. Non, effectivement, en tirant la boule de derrière. C'est derrière, ouais, pour éviter que le but soit emporté, ouais. Ça serait déjà plus facile pour... Oui, mais il va se freiner. Pour ajouter. Il va jouer, et alors, tu vas tirer. Alors que si on vient à pointer et qu'on prend... qu'on soit là, moi je suis là-bas, un peu gêné par la longueur de boule, on peut rester court. Tirer, bon, après, il pourra toujours tirer après. Avant, je lui dis de tirer et une boule encore. Non, tout est bien. Je pense que. Voilà. Oui, mais Valentin, t'as 10m50. Si t'es un peu court, tu tombes sur le bouchon, on est mort. Ah non, on va pointer. Ouais, on va pointer. En fait, Johan, depuis le début, c'est vrai. Il a à la pointe, il a tout réussi, donc il est en pleine confiance. Donc il va pointer la sienne. S'il réussit, je pense que... Ouais, on va continuer pour essayer de garder. Ah, il est un peu court là. Il est un peu court. Mais c'est pas que je te fais, il est même pas rentré, donc on ne pourra pas tirer. Il s'est enterré complètement. Allez, je tombe. Quand ça va pas, ça va pas. À moins qu'on tire deux fois pour Valentin Belama, ce qui est possible aussi. Là, je tombe au pied, le bouchon est démarré. Je vais plus bas surtout. Mais là, c'est plus dur là, par contre. Ah oui, allez. Non, on va continuer. Ouais, je pense que maintenant... Et on est sur une main de gagne, on ne peut pas prendre le risque d'aller essayer de taper le but. Alors, est-ce qu'il a rentré? Non, il n'a pas rentré le deuxième. Non, alors, c'est carreau gagné pour Valentin Belama. Ouais, c'est ça. Regardez, c'est pas simple hein, quand même. Non, mais finalement, il a... Parce qu'en passant derrière, il a, tu dois jouer tranquille. Il avait poussé le but, mais il a laissé la boule au clair. Il y a le bouchon dans le coin. Oui. Il y a la boule. Alors, carreau gagné, et puis taper peut-être. Oh là. Ça me rappelle la première boule de Fred Bauer. Exactement, c'est un peu le même cas. Regardez le ralenti. Regardez bien. Il a tiré. Hein. Ouais, il est en plein dessus. Bon, bah, c'est la même situation, sauf que là, elle est, il faut la trier, cette boule maintenant. Hein. Oui, c'est ça. Maintenant, il est. C'est carreau gagné. Je suis d'accord, mais regarde, après t'as joué quand même. Tir de précision à la sautée, et puis il ne faut pas toucher la boule derrière. Il y a un peu les deux exercices du tir de précision là. Oula, non. Bon. Il a forcé sa boule. Bon les gars, un peu d'effort là maintenant, parce que là... Voilà. Allez, ben plus un alors. Hein. Il veut pas gagner, je le dis moi. Allez Fred, là-haut. C'est bon là, allez. Oh, essaye de faire quelque chose là, c'est bon. Allez, 11 donc pour les maillots. Ouh, 21 même. Ah, c'est pas mal ça. Le jeu, c'est tiré d'entrée, tu peux me dire ce que tu veux. Pas parce que t'as manqué derrière, mais. Allez, stop. Ça y est, on y est. Non, mais bon, c'était un score de ping-pong. Oui. Pour ça. On s'en renvoie la balle. T'as fait gagner, tu tires avant, t'as gagné. Ça fait dur, oh. Ah, ça commence à sécher, hein, on entend sur les frappes. Laisse, il a raison, Jérôme. Il a raison, laisse tirer, Jérôme. Il a raison.
tire devant toi. S'il fallait, si tu veux, tu peux faire quelque chose. Tu tires, là tu te gênes de rien. Ils ont... Il y a ça épais. Ah mais regarde-toi, t'as raison. Ils essayent plein de... Plein de choses là. Ah, parce qu'il faut tout tenter. Alors, ouais, ouais. Pourquoi pas celle-ci de tactique, c'est-à-dire on fait tirer le pointeur en premier. S'il arrive à cadrer deux fois. Ah non, c'est pas droit du tout. Pas droit du tout. Parce que tu te forces à gagner un point à 25, mon pote. Il y en a un bois dedans, t'as boule au bouchon et tout. Vous avez 80 pour en mettre 3. Pour en mettre 2. Moi j'aimais mieux avoir 80 pour en mettre 2 avec 3 boules que 4 boules et en mettre 1 à 30. Ouais, non. Ouais, t'as une boule pour le... Tu vas le sortir, vas-y. Ah, Fred, tu vas le sortir. Ah, c'est difficile, Jean-Mi. Ouais, ces parties-là, vraiment, on lutte, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui fonctionne, ouais, comme on dit, et c'est compliqué. Là, maintenant, on va repartir sur le but. Vous avez joué, je me disais, mais non, il fallait qu'on tire à la boule d'entrée. On a déjoué, mais c'est pas grave, ça arrive. Ah bah, tirer le bouchon, il a eu la boule, mais bon, elle n'est pas passée, donc ça change pas grand chose. Ça, je crois qu'on l'a dit assez. C'est Farah qui va partir. À tous les internautes, est-ce que vous pensez que le jeu c'était de tirer avant? Ça fait quand même 15 fois qu'on vient de le répéter. On va voir ce qu'il répond de Claudie. Allez, deux boules pour Farah encore pour le sortir ce bouchon. Ouais, pour essayer de rester dans cette partie, rester. Il y a bien 4-5 mètres hein, pour sortir en fond de cadre. Il y en a, mais non, ça va pas suffire. Il a fait un mètre là, il était bien droit, il a juste tapé au pied. Il ne faut pas que je tombe par terre. Il y a trop de sable. Ouais, vous l'avez entendu, effectivement, il y a beaucoup de sable. Donc là, il faut tomber dessus. Voilà, c'est la dernière chance, je pense, pour Farah, là, pour essayer de sauver son équipe. Ah oui, là, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir après, derrière. Hein. Non, après, ça sera trop compliqué. Maintenant, Oh là 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 là. Alors, on va essayer de vous le montrer, il est pas sorti. Oh là là, il est pas chanceux. Il a vous le point, Fred. Il est vraiment pas chanceux, là. Voilà. Vous voyez le but là. Voilà, il est venu mourir ici, là, à 40 cm de la ligne. Ouais. Il aurait préféré qu'il sorte la Farah. Pierre, les parties, Fred. Fred, les parties, c'est les premières mêmes. Les boules que tu as manquées, c'est pas normal. Tu les laisses partir d'avance, c'est normal. Après, tu es derrière, tu es en train de cramper, c'est compliqué. Allez, mets-le, essaie de le gagner. On va se reprendre tout de suite pour Claudie, là. Vraiment pas de problème. Mais vraiment, là, je pense que ça va se compliquer. Ah, il faudrait qu'il le gagne hein, déjà pour faire jouer. Déjà le gagner, surtout après, pas embouchonner. Donc c'est fou. Il est court. Là, je crois qu'on peut dire que les. Je pense que oui, ils sont cuites les là. Les carottes sont cuites, ah, vraiment. Pense, ouais, il suffit de passer la boule maintenant de Fred Bauer pour mettre le 13e, mais il y en a encore 4 pour le faire. C'est râpé. Ouais. Il y a un saut de sable là. Ouais, c'est ça. Bah, ils ont eu un très mauvais départ. Alors que les rouges. Voilà. Tu la poses la boule, c'est tout. Ouais, fin de partie. C'est un peu fini. Bah, on reste un peu sur notre fin parce que.